Oh, yeah.
Bénédicte ce matin. Le prophète est déjà au milieu de nous. C'est le maréchal de la brigade anti-mangeur d'armes. Mesdames et messieurs, les acclamations, j'ai l'honneur de vous présenter le premier ministre. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour ta présence. Merci de nous faire du bien au travers de ta présence. Nous voulons te saluer, Dieu. Utilise ma personne. Bénis chacun d'entre nous. Merci. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Thank you.
quelqu'un, que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un juste à côté de toi, Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes ici à Zaroko, un centre de prière. Il symbolise la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes arrivés en avant-hier de Lomé. Où j'ai fait pratiquement une semaine. Et nous sommes juste allés aider une famille. Et j'en profite pour dire merci à cette famille. Nous avons très bien reçu d'ailleurs. Et je vous vraiment très bien reçu par la grâce de Dieu. Nous avons délivré une famille. Souffraient de la sorcellerie. Ils sont venus un peu de partout. Les enfants sont venus de la France et de la France. Ils sont venus du Canada. Ils sont venus des États-Unis. Amérique. Et nous avons eu deux, trois soirées pour régler le problème. Les pourtant. Et quand la chaîne de télévision a appris que j'étais à Otoro, ils ont commencé à courir après nous, moi et pas. Ils ont voulu forcément qu'on fasse une intervention au niveau de la télévision. Parce que j'ai déjà fait deux passages. Le mois dernier à Lomé, où j'ai lancé les défis au Vaudou. Il y a un monsieur, un Vaudou, un prêtre Vaudou qui voulait m'appeler. Au moment où il est à l'émission, il a eu direct. Puis André Cadon. Est-ce que le vaudou veut dire Amina fétiche? Voilà, dis-moi. Et j'aurais dit, mais depuis quand le fétichiste a apporté quelque chose à l'Afrique? Là, ils vont dire, il y a. Des fois, il y a une religion. Des fois, il y a carrément. Depuis que j'ai eu mon passage à la télé, les peuples vont dire. Les pasteurs, en fait, un mois de cela, les pasteurs venaient à mon hôtel. Parce que c'est la première fois qu'ils voyaient un homme de Dieu lancer un défi. J'aurais dit, vous ne maîtrisez pas la Bible. C'est pas une question de crasso. C'est une question de Jésus avec eux. Jésus, on les pécheurs. On s'est abîmé. Les pécheurs que vous voyez là, Jésus qui les a vaincus. Vous a donné le pouvoir sur eux. On a tête moi pour nous ne pouvons pas avoir peur d'eux. Dans la vivant. Amen. Amen. Et donc la chaîne congolaise disait, mon passage, afin que eux ne respirent plus. Tout le monde voulait avoir mon contact. Pendant trois soirées, je ne voulais pas intervenir parce que je n'étais pas venu pour ça. Et là, oui, parce que je n'étais pas venu justement pour ça, je voulais une famille. Oui, il faut dire que là-bas, il y a vraiment la sorcellerie intense. J'ai nommé. Il y a tellement de bonnes choses à donner. Ils sont très gentils. Ils sont vraiment très gentils. Amen. Voilà. Et Dieu fera qu'on puisse avoir des séances de délivrance. Alors, il me voulait forcément à la télé. Le vendredi, je suis allé très tôt le matin. J'ai vraiment subi ceci, canal, la boule, canal, qu'on s'est subi par tout le monde. Je lui ai dit, je veux maintenant, puisque vous êtes pressé, vous voulez me voir en terre, invitez-moi un prêtre comme vous. Alors, prenez-moi le vœu. C'est tout ce que je veux. Voilà, moi je veux un prêtre pour vous. Parce qu'il m'a dit, il dit, il y a quelqu'un qui est venu après. Celui qui est venu parler là. Ah oui, là c'est en Côte d'Ivoire. Mais si bien sur votre territoire. Nous allons le matin. Donc j'ai dit, ok, quand tu m'invites, c'est toi qui m'as appelé pour m'inviter. Moi là-bas, il est. Faut lui dire que je suis là. Donc on a pris deux jours. Et le vendredi, je ne l'ai pas vu. J'étais obligé de dire moi-même. Et moi, il a venu là. Faux vaudou. Allez, vaudou à quai. Donc, j'ai rencontré avec tous les prêtres vaudou pour les mettre en juin. Et je leur ai demandé d'organiser. Non, pour vous, pour que j'affronte les maîtres vaudou. Non, moi, je vais vous les évangéliser. C'est quand je vous dis ça. Amen.
Parce qu'il dit, il n'a pas un mec de vous. Tu vas dire qu'il n'a pas tué quelqu'un. Tu vas pas même mettre pour dire qu'il n'a pas pris l'ancien sort à quelqu'un. On a un mec en coupable. Oh, le sorcier, c'est le lanceur de sang. Je vous ai dit, qu'est-ce que les vaudous ont apporté à l'Afrique? Non, mais vaudous, on a l'Afrique. C'est pas question de religion africaine. Non. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique? Il y a là, l'Afrique, Miami, là. Le vendredi, on a eu un débat. Enfin, c'est pas un débat, il y a quoi? Il y a une édition. Alors, la grande surprise de monsieur qui baladait dans les couloirs. On lui dit que je vais parler. Il a dit si vous voulez organiser en juin, il y a un ami. Et puis invitez-moi. Alors, en premier, il y a un grand féticheur. Moi, le mec, dit qu'il y a un Togo. Je les invite en juin. Et là, quand j'ai un ami, je les invite en juin devant la maison Togo. Mais là, j'ai dit qu'il y a un ami. Voilà, pour montrer qui est Jésus. Alors, le Jésus là. Parce qu'il y a. Parler de Jésus, attends, parler de Jésus. Et nous là, j'ai dit Jésus. De quoi Jésus est capable. Mais hier, Jésus-Christ, c'est quoi, on a le menu. Amen. Il y avait quelqu'un qui avait un problème. Comment ça dit oui? Oh, notre chaîne télé est beaucoup suivie. Et sur la chaîne. Allez, il y a un moment de marie pour toi. De TV2. TV2, c'est suivi beaucoup au Togo. Togo, Allemagne, TV2. Les gens m'ont reconnu. Oui, il est venu. Les gens m'ont reconnu. Oui, il est venu. Il y a un monsieur qui avait un problème. Comment quand les séances est là? Il avait un problème d'hernie. On a oui, oui. C'est sorti, hein, c'est rempli dans. MDI, donc c'est rempli. Et qui en second? Voilà, donc quand il m'a vu, il m'a interpellé en même temps. On a la main. Et j'étais en train de passer même au marché de Lomé, les gens m'ont reconnu. Les gens m'ont reconnu, il y a tellement. Il y a d'autres Ivoiriens là-bas qu'on a vu au port, de Lomé au port. Ivoiriens là-bas pour le port. Donc moi, je n'ai plus envie de sortir. Et il va aller à Lomé dans la campagne. On m'a maîtrisé au port de Lomé. En tout cas, Lomé, il y a de Lomé. Va, notre affaire là, c'est sérieux, pas de problème. Donc le monsieur, il était embêté par un problème. J'ai dit au monsieur, non, en fait, je ne suis pas venu pour ça. Et après, nous, laisse-moi le temps de prier pour toi après. Laisse-moi le temps que je prie pour toi après. C'est ce qu'il a fait par la grâce de Dieu. Il est venu m'écrire de voir. Je l'ai regardé. J'ai touché. Ça appartient à Dieu. Et j'ai parlé, et Dieu m'a dit, montre, prends de lui, verse lui. J'ai versé lui, si ça fait. Le plus grand miracle. Il le cadet. À 20h, il a pris un taxi moto. Il est venu m'attendre, toute sa famille était réunie. Je regarde, ça a disparu. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ du matin? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Mon Dieu. Je suis avec toi, et ma peau. Il m'a dit que je le veux, ma peau. Il m'a dit que.
Il y a du vent.